Bizarre de comme Néron quand la Wallonie est sous eau et l'Angleterre fout le camp. Mais je crois que c'est un, un des sens de l'anthropologie, c'est le long terme, de, le fin fond des choses. Donc allons-y. En commençant au commencement, je suis né très tôt, après neuf mois, dans le ventre maternel. 12 mars 1939, si j'ai bon souvenir, Il paraît que c'était le jour où à Rome sonnaient les cloches pour marquer l'élection de Pie XII, d'heureuses et de moins heureuses mémoires. Je suis né en fait à Lancaster parce que mon père y est allé à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Lancer un petit boutique de vêtements, d'habillement masculin. Mais il devait aussi partir sur le continent pour faire un sort à Hitler et compagnie. Mais survient Dunkerque et donc il n'a pas pu partir. Il a été enrôlé dans les pompiers. Parce que les, les nazis bombardaient Liverpool et Barrow et, et Manchester. Donc, j'ai pas connu beaucoup mon père qui était souvent parti euh, éteindre les feux. Après, nous sommes repliés sur leur ville natale de mes parents, Preston, qui est un de ces grandes villes du nord de l'Angleterre et qui est, bien qu'on ne l'ignore, le berceau de la révolution industrielle. C'est chez moi qu'on a inventé les, les métiers à tisser, améliorés. C'est chez moi aussi qu'a sévi le fameux Captain Ludd qui réagissait contre la mécanisation de, de l'industrie qui avait été à base des familles auparavant et qui a ruiné non pas un paradis terrestre, mais c'était pas l'enfer non plus. Bon, Marx allait écrire *Das Kapital* une cinquantaine d'années plus tard à Manchester, et ces braves gens avaient effectivement l'impression que le capitalisme naissant allait venir à bout d'une certaine autonomie et, et autarcie euh, artisanale. C'est quand j'ai fait mes études chez les jésuites, c'était tous des, des fils à papa. Et toute cette période de turbulence euh, anti-capitalisme naissant était mise sous le dos d'une un, ignorance euh, primitive. Les gens ne savaient pas que tout ça était pour leur bien. Tandis que maintenant, on se rend compte que c'était une vaste couillonnade, si tu veux, et que ces braves Lodites avaient tout à fait raison de, de revendiquer la, la gestion locale, des, des destins humains c'est terrible si vous voulez c'est que fils d'ouvriers fils d'ouvriers amélioré je vous expliquerai ça les, les profs nous ont inculqué une certaine pas honte mais on n'était pas fier de nos, de nos origines si vous voulez et surtout ce qui est étonnant quand j'y réfléchis maintenant c'est qu'il était Exclu dans ces années-là que ce monde ouvrier puisse un jour, si vous voulez, percer dans l'Angleterre de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie, même dans les, les collèges secondaires, si vous voulez. Donc c'est même pas une école technique. Les seules vocations qu'on nous faisait miroiter, c'était soit d'aller travailler dans les mines, soit dans les filatures. Dans ma ville, il y avait 150 usines, donc 150 cheminées, qui crachaient de la fumée euh, 50 semaines par an. Et les deux semaines restantes, on nous envoyait à quelques kilomètres de là euh, baigner dans une mer merdique de l'Irlande pour permettre aux capitalistes de nettoyer les chaudières de leurs usines. Pour recommencer à couillonner tout le monde deux semaines plus tard. C'était les premières vacances payées, mais c'était comme les télévisions qu'on met dans les, les étables pour les vaches, c'était pour augmenter la productivité de la masse laborieuse. Ce qui est étonnant, quand je retourne maintenant, j'y retourne très rarement, mes parents sont morts, il n'y a que ma soeur qui habite dans le coin. C'est que tout ça a totalement disparu. Il n'y a même pas de vestiges d'archéologie industrie, industrielle. Tous les corons, toutes les usines, les filatures ont été totalement démolis. Et le port que j'ai connu, qui amenait le, le, le coton, est devenu un, un marina pour, pour plaisancier, si tu veux. C'était le, le, le port d'un seul trait le, le plus grand du monde à l'époque. Et on amenait à la fois des pays scandinaves les poutres pour les mines et les ballots de coton pour les usines et enfin des, des bananes. Je ne sais pas pourquoi, mais on amenait à Preston des bananes. Ce qui faisait de temps en temps dans les, dans les, les journaux qu'on avait des tarantules qui se promenaient partout parce qu'ils avaient échappé des, des régimes de... de bon, on s'éloigne de nous. Du Mali, c'est tout ça. Donc, revenons à nos oignons. Bon, je ne m'attarderai pas plus sur ce milieu ouvrier, si vous voulez, parce que c'est tellement accessible maintenant, les films de Ken Loach, les bouquins de Lodge. C'est vraiment ça. Je, je commence à écrire mes mémoires, mais j'ai renoncé à cette période-là parce qu'il y a tellement de, de témoignages d'ouvriers que ça sert à rien que j'ajoute mon eau à ce moulin-là. Ce que je dirais néanmoins en y réfléchissant, parce qu'effectivement pour moi l'anthropologie c'est rendre compte des, des différences et non pas des... Des, des, des prétendus fonds communs. Ce que mes enfants, et peut-être toi, ont du mal à, à, à piger, c'est à quel point les, la religion et les églises euh, dominaient tout la vie des gens, si vous voulez. Par hasard, Preston était la ville la plus catholique de l'Angleterre. On était à 75% de catholiques et à 100% de catholiques dans les prisons, parce qu'ils étaient tous d'origine irlandaise. Donc, était, on était sous comme un Polonais, sous comme un Irlandais. Et donc, ça, ça peuplait les, les prisons. Les autres de la ville, c'était inimaginable à l'époque d'être agnostique ou athée. Non pas parce qu'on était croyant c'était comme au Sénégal. C'était pas possible d'être Sénégalais sans être musulman. Et, et on ne pouvait pas être musulman sans être Tijan, Kaliria ou Mourid ou je sais quoi. Chez nous, c'était pas possible de ne pas être chrétien, soit catholique, soit anglican, soit méthodiste, soit baptiste. Et, et on se disait... Dans la ville, membres de telle ou telle paroisse. On était du Sacré-Cœur, de la Vierge Marie, des, ma paroisse était sainte Valbouge, mais c'était un peu comme les usines japonaises, du berceau au tombeau. Tout était pris en charge par les, les curés. Il y avait même un club pour les hommes où on pouvait se saouler la gueule de manière chrétienne. Il y avait. Les enfants de Marie, les enfants de cœur, il y avait. Les, les, les clubs de foot et de cricket et de, et de tennis et de, et de boxe étaient toujours associés à des, à des paroisses, si vous voulez. Et il y avait aussi ce qui est très difficile. Parce tout, on est dans un air post-chrétien. À l'époque, les chrétiens se bagarraient entre eux après avoir. Suivi les cours, même dans l'école primaire, on partait vers 4 heures, euh, narguer, énerver les protestants en face, et on se bagarrait littéralement pour le plaisir de se bagarrer, mais pour défendre la virginité de Marie ou la présence réelle. C'était hallucinant cette époque où les gens étaient des vrais croyants, si vous voulez. Et donc, une période clé, je crois, qui a aussi, avant que je n'oublie aussi, c'est le travail, si vous voulez. Maintenant, on sait à quel point le travail est une création calviniste-capitaliste, et, et qu'on est sur le point de passer dans un, un air post-travail, mais à l'époque... Le travail, si vous voulez, était quelque chose non pas seulement d'incontournable, mais même d'annoblissant. La classe ouvrière anglaise avait gagné non pas la guerre, mais une bataille. On était assez bien nantis, lotis matériellement. L'Angleterre a été polarisée entre riches et pauvres au début de la révolution industrielle, donc au milieu du 19e siècle, et puis ça s'est amélioré entre les deux guerres. Et donc je n'ai jamais connu, si vous voulez, cette polarisation euh, communiste, euh, militantisme euh, agressif que j'allais connaître euh, en France et, 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 en, et en Italie, une fois, euh, l'Angleterre. Euh, laisser derrière moi. Et donc, travailler, je dirais, même tout petit, c'était une sorte d'initiation à la vie adulte, à la vie virile. Et donc, dès 10-12 ans, j'ai commencé, entre guillemets, à travailler pour mon père, qui, qui était plus ou moins directeur d'une petite chaîne de magasins d'habillement masculin. Non pas, entre guillemets, on dit aujourd'hui, es un peu PDG, mais c'était pas ça. On a, il allait au boulot en vélo jusqu'à la fin de ses jours. Mais moi, je travaillais donc pour lui. Mais, je, je remplissais des toutes petites fiches avec le prix des slips et des chaussettes, et des, des soutiens-gorge que, que j'accrochais dans un immonde KGB près des chottes. C'était pas très exaltant comme boulot. Et, et surtout, je travaillais pour mon grand-père maternel, qui était croque si vous voulez, et, et maçon. Il avait commencé sa carrière à tailler des pavés pour les, les routes, et puis, revenu de la guerre avec son frère, ils, ils se sont improvisés il y, avait, il y avait, Là aussi, c'était artisanal. Je me rappelle que je, je l'aidais à fabriquer des. Des, des cercueils, on, on sciait à la main des grandes planches en chêne et en hêtre. En, en une demi matinée, on, on, on faisait un superbe cercueil. Mon boulot, c'était de, de mettre du goudron dans le cercueil parce que les clients se liquéfiaient assez vite et on risquait de foutre le camp avant. Donc, il fallait quand même étanchifier le bazar. Et je, aussi, je, avec du papier emery je frottais les, les parois externes et puis on mettait du vernis dessus. Parce que son fils était encore à l'armée, si vous voulez. Un de ses fils, un de ses seuls fils. Il avait quatre filles et un fils, mais il était parti à la guerre. C'est un peu un mystère. C'est Oncle ce Henry qui était parti à la guerre. Et aussi, je travaillais pour, pour lui dehors, dans des froids de canards, à, à nettoyer des pierres tombales et, et à, les, à les polir avec des pierres ponces. Dans des... Il mettait un peu d'eau chaude pour, pour rompre la glace, mais je te jure, c'était pas la joie. Mais je dis, c'est étonnant, mais... Je me sentis devenir un vrai homme, si tu veux. Il y avait cet idéal du, du, du bon travailleur, le type qui se plaît. Ça, ça m'est resté, si J'aime bien bricoler. J'ai travaillé, entre guillemets, comme prêtre paysan en Afrique. J'ai chipoté dans le jardin ici. Le jardin fait partie de l'identité de ma génération, si tu veux. Le chômage était inconnu. Il y avait plein emploi, il n'y avait pas beaucoup de choix. Comme je dit, c'était soit les filatures, soit les, les mines. Il était excessivement rare que même dans le collège secondaire, des gens aillent à l'université, peut-être un dixième en, en dernière année, et aller à Oxbridge, à Oxford ou à Cambridge, c'était absolument... <laughs> Inimaginable, on n'y on y pensait même, même pas, si vous voulez. Donc, je, je me trouve... Un, un moment crucial dans, dans le curriculum, la scolarisation, c'était le 11 plus, à 11 ans. Tout se jouait à, à 11 ans. si tu veux. Il y avait un examen à la fin de l'école primaire qui séparait les moutons des, des boucs, si tu veux, les, les, les quelques-uns, les quelques prédestinés de la masse damnée, de la masse condamnée. C'est vraiment la théologie augustinienne. Il y a un petit poignet, un petit reste qui est sauvé, et puis les autres, les gnaques, les bougnouls, comme on disait au Sénégal, ils sont condamnés à une vie pénible d'ouvriers. Et donc, c'était un examen assez bizarre. Il fallait arranger les formes, il fallait compléter des histoires, trier des proverbes. Et avec ça, on était parti pour la gloire. C'était vraiment, je ne sais pas si ça se fait encore, mais c'était vraiment crucial. Et dans la classe, si tu veux, mettons sur 30 élèves dans le, dans le, dans le primaire, à peine une demi-douzaine passés dans le secondaire. C'est comme ça. Mes parents ont quand même payé une institutrice à la retraite pour me coacher, pour me programmer, pour que je, je sorte. Mon père était très réservé, très flegmatique, un peu résigné. Ma mère avait de l'ambition, si tu veux, pour ses enfants voulait voulait qu'on soit si tu veux, de ce milieu euh, prolétaire, ouvrier, qui n'était pas si mal loti matériellement, mais qui n'était quand même pas, pas ça. Elle a toujours poussé à acheter une nouvelle maison, à acheter une voiture, à faire des études. Et donc moi, premier né, on a mis le paquet, je pars chez les jésuites dans ce collège catholique de Pressin. On n'avait pas peur à l'époque de mettre catholique partout si tu veux c'était notre badge d'identité en fin de carrière à l'UCL à, à l'université catholique de Louvain il y avait un grand débat mais qu'on qu nous fout la paix on est universitaire on n'est pas plus catholique que ça et surtout pas plus catholique que le pape moi j'ai participé au débat en disant bon vous pouvez enlever le, le catholique mais tant que le C signifie clerical crispé, constipé, ça ne changera rien. Et surtout, il faut peut-être rés réserver ça, parce que ça pourrait devenir coranique, et donc euh, ne changeons rien. C'est peut-être mieux de laisser UCL comme ça. On, on est préservé contre le mauvais sort. Bon, pour revenir à, au Preston Catholic College, ce qui, ce qui est assez difficile à imaginer aussi, c'est que nous, les catholiques étaient une minorité en Angleterre, 10% de la population, mais convaincu d'avoir toute la vérité et rien que la vérité, rien que la vérité. Et surtout ma région euh, à la Réformation, à la réforme avait été un coin tout à fait sauvage, abandonné à son sort, et donc est resté catholique par abréaction et non pas tellement par par conviction. Et on se rend pas compte que si Henri VIII a réussi à bousiller toutes les monastères, c'est que les gens n'étaient pas tellement pauvres non plus. On, on, on traite Henri VIII d'un saligaud à cause de toutes ces femmes et d'un mercenaire parce qu'il a scrotté ou confisqué toutes ces, ces monastères. Mais si les, le peuple aimait à ce point les moines, ils auraient quand même réagi, ce qui n'était pas le cas. Un peu comme, comme à la Révolution française aussi. Les croyants imaginent que c'était absolument euh, euh, inacceptable et, et non justifié, mais les, les iconoclastes n'ont pas toujours tort, si vous voulez, à leur époque. Et donc, je suis dans cette, cette école, ce collège catholique tenu par les jésuites. Mes parents mis ont mis, si vous voulez, ils, ils, ils auraient eu le choix. Ils m'auraient pu mettre, me mettre chez les bénédictins, mais c'était un peu trop snob, un peu trop élitiste, ça menait nulle part. Les franciscains, c'était un peu trop gnangnan, et les salésiens, c'était pour les fils d'ouvriers qui allaient rester ouvriers. S'ils l'ont mis chez les jésuites, c'était en partie à cause d'une rigidité bien disciplinée, si tu veux. Ça aussi, les jeunes ont du mal à l'imaginer, mais la, la punition corporelle était incluse délibérément dans le prix, si vous voulez. Chaque prof, au commencement de l'année, c'était le, le petit papier que je vous ai montré, recevait une un espèce de bloc-notes en latin, avec les, les rubriques en latin, où il était dit le nom du coupable, la raison pour laquelle le, pour il fallait taper dessus, combien de fois il fallait taper dessus. C'était pour éviter, si tu veux, une réaction passionnelle ou, ou vicieuse. Et donc, chaque prof avait ce carnet. C'était même pas, je dirais, des fautes morales graves euh, comme se masturber en public, ça, je comprends bien qu'on n'est pas tellement pour. Mais c'était pour, pour faire des fautes en latin, pour, dire, pour mettre l'accusatif au lieu du génitif, ou en, 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 en arithmétique, de, de faire en sorte à ce que 2 et 2 fassent 5 au lieu de 4. C'était des fautes. Et mon prof de, de grec parlait toujours de, de péché mortel, de faute mortelle. Et c'était des simples fautes grammaticales. Tu, as, tu cumulais trois et tu avais douze coups. Il écrivait sous ce petit bloc, voilà, 5 Gretons, douze coups à prévoir, trois fautes graves en grec. Et il postait ça, il y avait quelqu'un qui passait dans les classes pour cueillir à la, à la, à la fin de chaque période. Ces petits billets qu'on amenait chez un des trois jésuites chargés de taper sur les, les gens. Il y avait un pour les deux premières années, un pour les, les, les deux intermédiaires int 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 et un pour les, les deux. Parce qu'on tapait sur les gens jusqu'à 18 ans. Et vous, si vous saviez que vous aviez un, un billet, vous alliez le soir chez le jésuite qui avait un bureau. Et tu tapais dessus et tu disais « bon, mon billet est arrivé ». Oui, oui, fermez la porte, il fermait la porte, il regardait dans une sorte de boîte de souliers avec tous ses billets, il sortait le tien et il te tapait dessus. Il mettait votre bras coincé en dessous de, son, de, de, ses, de ses bras et avec, un, ça s'appelait un ferroulin, on les achetait en Espagne où les jésuites les fabriquaient à Tirarigo. C'était un os de baleine entouré de caoutchouc et on vous tapait dessus. Et vos mains gonflaient à un point que vous ne pouviez plus tenir en main un crayon. Et donc, dans le règlement de l'école, vous étiez dispensé de faire les devoirs ce soir-là. Et donc, les gens un peu masochistes se faisaient taper dessus pour ne pas faire les devoirs. Et il y avait des, des, même des compétitions. Dans ma classe, je me rappelle un type un peu masochiste. À la fin de l'année, à l'année, il avait cumulé 600 coups. Donc, il avait gagné le prix Nobel de l'idio de service, mais c'était assez hallucinant. Ça veut dire, cette à la maison aussi, la punition corporelle dans les prisons, parce que quand j'étais en Tanzanie, les vieux du village m'ont dit, à l'époque, les blancs nous tapaient dessus avec le fameux Kiboko, c'était une lanière en peau d'Hippopotame, Et moi, et Nireri aussi, ils disaient, oui, les blancs, c'était des méchants, ils nous tapaient dessus. Moi, j'ai écouté les copains. Moi, je me suis fait taper dessus, à l'armée on tapait dessus, dans les prisons on, on, on les tapait dessus. C'était, Ça faisait partie de la civilisation chrétienne de l'époque, il y avait rien d'extraordinaire. De toute façon, il faut pas exagérer, montrez-moi vos cicatrices. Et ma... le vieux chef, il a soulevé son, son t-shirt crado, avec son dos était sillonné de coups de lanière. Cou de, de la niège. Il a dit, oui, mais nous étions méchants aussi, on a mérité. C'était mieux de se faire taper dessus par un blanc que d'avoir ses couilles coupées par un chef ivrogne. Ivr, donc, vive la, vive la civilisation, vive la colonisation, vive les impérialistes. C'est quand est-ce que vous allez revenir Ça m'a toujours étonné en Tanzanie que les gens me prenaient pour un sort de d'espions avant-coureurs, parce que j'étais très près des gens et, et j'ai demandé beaucoup de questions sur les chefs et tout ça. Et les vieux étaient convaincus que j'étais un, 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 un signe avant-coureur du retour des blancs, parce que l'indépendance, ça n'avait rien donné. C'était mieux avant. C'est terrible, mais on comprend que les, les nouveaux chefs des États indépendants africains n'ont pas pu joindre les fins de mois difficiles parce qu'ils devaient remplir leur poche d'abord, entre autres. Mais j'ai dit, les indépendances, dans un premier temps, vous libérez les esclaves, ils sont jamais contents. Moïse a libéré les, les, les Israélites. La première chose qu'ils ont demandé, c'était de rentrer en Égypte parce que là, au moins, il y avait de la soupe. Et quand on a libéré les esclaves en Tanzanie euh, au début de, de, de l'impérialisme allemand, les, les, braves, les esclaves n'étaient pas contents non plus parce qu'ils n'étaient pas logés et nourris, si tu veux. C'est toujours l'effet pervers. Comme disent les interbologues, tu veux faire du bien et il en sort souvent du, du mal. Et pour terminer, si vous voulez, dans ces histoires d'éviter les de, de devoirs, à l'école, je me suis inscrit dans un club de boxe de faire des pugilats. Et donc, on faisait de la boxe trois fois par semaine et on a été dispensé de faire les, les devoirs aussi. Je, c était, c était, ça faisait chier les intellos parce que la boxe était comptabilisée dans les notes de fin d'année en même temps que l'art. Je ne suis pas Picasso ni Rubens, mais je peignais assez bien et ça comptait aussi. Donc, j'étais très souvent le premier de la classe tout en étant nul en grec-latin. Mais je boxais assez bien et je peignais assez bien. Donc, ça comptait et ça faisait, ça énervait les internautes euh, du, du cru. Bon, J'étais même champion, entre guillemets, d'Angleterre. Après un seul combat. Parce que le règlement était très strict. Il ne fallait pas avoir un poids excessif par rapport à celui de ton adversaire. Et il ne fallait pas qu'il y ait plus de six mois d'âge de distance. Et donc j'étais gros et petit, j'ai un seul type qui était de ma taille, je l'ai mis par terre et j'étais champion d'Angleterre de mon poids. Bon, il y avait aussi autre chose à l'école que ça, entre autres, si vous voulez, des, des pères propagandistes des différentes congrégations religieuses qui passaient, recrutés. C'est comme ça, si vous voulez. Que je suis devenu père blanc. Parce que avant, j'avais l'idée soit d'être artiste, non pas artiste peintre, mais artiste commercial, faire des enseignes et des choses du genre, ou, je ne sais pas pourquoi, devenir capitaine de vaisseau. Mais est venu tout d'un coup euh, ce brave père blanc, habillé comme Laurence d'Arabie, qui nous a montré des photos des bébés noirs au ventre ballonné, et qui nous a dit ils, ils vont tous en enfer. Et donc j'ai dit bon, voilà, c'est peut-être mieux que j'aille les donner un coup de main. Et que c'est comme ça, effectivement, à 15 ans que je me suis dit je me suis dit dieu m'a dit comme on disait à l'époque euh, soyez des nôtres et surtout à l'insu de mon plein gré c'était peut-être pour échapper euh, à la mine ou à la filature là je ne sais pas peut-être freud saurait expliquer <laughs> les bas-fonds de mon inconscience. Mais moi, je suis parti de mon plein gré et, et persuadé que c'était comme ça que Dieu, ou je dirais le destin, voulait que je fasse à cette époque-là.